Je m'appelle Delphine Coulin et je suis écrivain et cinéaste. Je suis là pour un week-end de résidence, on va dire, et je rencontre des filles ou des femmes de 7 à 97 ans qui vont me dire une phrase qui est dite par un homme, qui les a marquées et pourquoi. Je vais en faire des textes, je ne sais pas encore si ce sera vraiment des récits ou un peu fictionnés, parce que d'habitude je fais de la fiction. Pour l'instant, j'ai rencontré 8 femmes, comme dans le film, et j'espère en rencontrer, je ne sais pas, une vingtaine. Je trouve qu'on dirait un décor, c'est immense. Je ne m'attendais pas à une taille aussi grande et je ne m'attendais pas à autant de liberté. Je trouve que c'est vraiment un endroit qui respire la liberté et ça tombe bien parce que c'est ce que je préfère dans la vie. Ben là, je sais maintenant que ça va être détruit et que ça va être un quartier d'habitation, donc j'ai pas pensé à autre chose. On m'a dit ce que ça allait devenir demain. Je vois ça moins rigolo, moins créatif, mais peut-être que je me trompe. Et enfin. J'espère que je me trompe. Alors, transfert en un mot, je dirais saltimbanque. Je dirais saltimbanque, ça veut dire artiste de rue, mais en fait, à l'origine, c'était pas que des artistes de rue, c'était aussi des écrivains, des dramaturges. Ça vient de... D'abord, j'aime bien le mot. Ensuite, je trouve que ça dit l'esprit du lieu, parce qu'il y a un côté très, non seulement créatif, mais très sympa, enfin, très chaleureux, très convivial. Et saltimbanque, ça vient de l'italien, ça voulait dire sauter sur l'estrade, et je trouve que ça dit aussi le dynamisme du lieu ici. Je trouve que les artistes qui sont là sont prêts à sauter sur l'estrade.